rejeté notre offre d'une baie des braves, il ne restait de l'alternative que la guerre à outrance. Nous l'avons faite. Nous avons bouclé les frontières, coupant tout aide extérieure. Nous avons regroupé les populations et réduit le maquis à ses seules ressources. Nous avons créé les zones interdites pour isoler les rebelles de la population. D'un bout à l'autre du territoire, nous avons pourchassé, traqué, détruit. Aujourd'hui, la situation militaire est claire. Elle nous est plus que favorable. Si la situation reste ce qu'elle est, je veux dire si l'intérieur ne bouge pas, politiquement, le FLN est foutu. Et il le sait. Les renseignements en notre possession nous permettent d'affirmer que nous devons nous attendre dans les prochains jours à une vague de manifestations sans précédent. Les émissaires de la rébellion ont reçu mission d'organiser concrètement le mouvement qui sera déclenché dans toute l'Algérie. Des villes, ils feront des jeunes. Des villages, des brûlots. Ils chaufferont à blanc la populace. Des casbahs au village nègre, la meute va se ruer. Quelle qu'en soit l'issue, le FLN est gagnant. Où elle se déroule sans casse, et c'est une répétition, et une première étape vers l'insurrection générale, où le sang coule, et alors il coule à flot. Les conséquences diplomatiques et financières, les deux choses sont liées, seront lourdes pour la nation. Nous n'avons pas le choix. Nous devons prévenir ces manifestations et donc intercepter les pèlerins du FLN. Il nous les faut vivants. Les chefs sont prisonniers, mon général. Beaucoup de casse. 26 tués dont le lieutenant Bernard. Alors c'est toi le responsable de cette boucherie. Quartier central, service du colonel Saint-Méran.
Zoubir, il s'est suicidé. Suicidé? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il leur a claqué dans les mains. Et maintenant, ils se foutent de vous. Vous les avez surveillés, vos bons hommes? J'ai mes hommes bien en main, mon général. Ne pas être sur le coup. Aucune discipline. Faites monter le responsable. Faites monter Rivier immédiatement au bureau du général. Le général Michon n'affecte aux interrogatoires que des éléments d'une moralité irréprochable. Michon. Michon, hein? Il a pris l'idée à Massu, qui est son idole. Massu la tire de Delarue, le petit jésuite de la dixième. Et Delarue la tient le quai. Qui est l'idole de Delarue? Certainement pas le bon Dieu. Ah, tout ça, c'est des disciples. Le colonel de Saint-Méran aussi, mon général. Je sais. Son Christ à lui n'est pas seulement juif, il est aussi existentialiste. Tout ça ne vaut rien, le Taille. C'est bête. On torture parce que c'est comme ça. Un point, c'est tout. Y a pas de raison de nous envoyer en enfer, ni de nous canoniser. Des disciples, des mystiques, des apôtres. Nous sommes les soldats dans tout ça. Là. Entrez. Sergent Ribier, du 7e, 5e compagnie, 2e bataillon. Détaché aux interrogatoires. À vos ordres, mon général. Alors, Zoubir, vous lui avez pris la tête entre les mains, vous avez serré trop fort, et la tête a cassé. C'est bien ça. Alors, c'est comme ça que ça s'est passé? Non, mon général. Pas comme ça. Eh bien voilà, mon général. Il arrêtait pas de gueuler, mais il disait rien. Pas une broque. Dans notre travail, c'est une chose qui fatigue beaucoup. Mais comment on peut vous dire, il sait. Continuez. Il gueulait. Total, on s'est lassé. On a eu le coup de fatigue. Alors, on l'a ramené dans sa cellule, tant qu'on fume une cigarette. Et cette vache de melon, il en a pas profité pour se casser le crâne contre un mur. De lui-même. Tout seul. Ah, j'en jure, mon général. Pourquoi nous autres, on irait faire des choses comme ça? Commandant, vous porterez un motif à ce sous-officier. Opé! Qu'est-ce que vous voulez faire de propre avec des croquants pareils? Bon, mais il n'est pas là. On va l'attendre. Surprenant violon dingue, Saint-Méran. Vous ne trouvez pas? Le colonel est un personnage surprenant, mon général. Ah, Saint-Méran. Alors, votre prisonnier? Il est en bas, mon général, dans sa cellule. Nous en avions deux. Il ne reste plus qu'un. Celui-là, je ne veux pas qu'on me le gaspille. Je vous comprends, mon général. Je connais l'enjeu. Nous les avons sortis de leurs ulcères. Nous avons tué leur pouls, décapé leur crasse dans la paille de fer quand il le fallait. Nous en avons fait des hommes comme nous. Je veux dire presque. C'est de ça qu'ils nous haïssent. Oui, mon général. Un exorcisme. Je veux que tout est dans les mots. Leur dignité, leur droit, l'égalité, l'indépendance. Et demain, la famine, et la terreur féodale, et les ascenseurs en panne, et 10 millions de pouilleux assis sur des cailloux pointus, et plus un seul Français pour leur faire l'aumône. Voilà ce que vous lui direz, colonel, à ce Siamet. Moi, mon général?
Leur dignité, leur droit à l'indépendance. Pour détruire tout ça en quelques heures, faut bien les prononcer, ces mots-là. Et pour être entendu, quand on les prononce, il faut tout de même au moins un tout petit peu y croire. Vous y croyez, vous? Effectivement, mon général. Dès Saint-Cyr, on m'a appris ce qu'il fallait savoir de la fierté arabe. Fierté de pillard! L'arabe ne respecte que la force. Noblesse de guerre? Soit. Je serai peut-être un peu moins dépaysé qu'un autre. J'essaierai de lui parler, mon général. Mais s'il refuse de m'entendre, s'il se tait, ce sera la manière forte. Alors pourquoi moi, mon général? Précisément pour cette raison, colonel. Pourquoi moi? À l'intérieur de toutes les unités, c'est une question d'unité de doctrine. Vous vous en tirerez très bien. Je vous fournis un fond sonore, mon colonel. Ça pourra peut-être vous aider. Faites-moi monter le prisonnier. Le 4, Chéribier. Le 6, chez Saint-Méran. Chez le colonel Saint-Méran. Pour tout le monde. Tu me dois d'être en vie. C'est curieux, mais ça m'a donné envie de te connaître. Je sais un peu qui tu es.
D'abord un combattant. À mes yeux, ça a de l'importance. Tu as bien tenu tes hommes au feu. Plus longtemps que nous n'avions prévu. Nous y avons laissé 26 tués, dont un officier. Tu t'en es tiré à moins cher que nous. Cigarette? Trop fort? Tu veux une bastos? Nous t'avons attendu. C'est toi que nous voulions. Je te dis la vérité, nous recherchons le contact. Avec des hommes comme toi, des combattants. Des esprits solides qui aiment leur pays comme tu l'aimes. Vous me rappelez mon instituteur français. Vous l'aimez, votre pays. Mais bon Dieu, vous l'aimez mal. Oui. C'est un disque. Vous disiez des contacts. Vous vous entêtez dans cette guerre. C'est du gaspillage, vous l'avez perdu. Mais la paix, ce que nous pourrions faire ensemble, des hommes comme vous, comme nous, et puis l'expérience de ces années, l'épreuve des courages, et l'estime réciproque. Est-ce qu'elle n'a pas fait de grandes choses dans ce pays, la France? Est-ce qu'elle n'est pas de taille à en faire d'autres? Et la ruine que vous y portez? Au profit de quoi? De qui? La patrie algérienne. Oh, parlons-en. Obligé de ramper sous les barbelés pour y entrer. Se cacher pour y rester. Ramper pour en ressortir. Alors quoi? La gloire des combats? Il n'y a plus de combats! Chassés, cachés, enfumés comme des rats! Alors les mots. Les grands mots. L'indépendance, l'Istiklal. Vous vous représentez ce pays si la France partait? Plus un avion qui vole, plus un train qui roule. Des écoles sans instituteurs, des hôpitaux sans médecins. La lèpre, la peste, le choléra, le trachome. Tenez, je vous fais un pari, Ahmed. 15 jours d'indépendance. Il n'y a plus un ascenseur qui marche. Alors qu'ensemble, un homme comme vous, le prestige que vous auriez sur vos coreligionnaires et les moyens que nous vous donnerions, le rôle qu'un homme comme vous pourrait jouer dans la promotion de son peuple, la place qu'il tiendrait. Nous en avons marre des bachagas. Ce qu'il nous faut, c'est des hommes. Soit nos divergences, c'est une même cause que nous servons. Je vais devoir repasser le prisonnier à vos hommes, avec une hantise qui est la vôtre. Que l'histoire Zoubir ne se reproduise pas. Vous savez, le Teuc, je n'ai aucune expérience de ces choses. Je ne suis pas snob. Seul peut-être de tout le corps des officiers, je ne me suis pas fait passer à la Gégène. C'est pareil pour moi, mon colonel.
Je ne suis pas curieux. Et puis les bougnoules, c'est les bougnoules. Et moi, c'est moi. Dites-moi, Leteuil. Y a-t-il dans la progression de ces sortes d'interrogatoires un moment précis où l'on peut dire il parlera ou il ne parlera pas? Bien voilà, mon colonel. Il y a ceux qui s'effondrent tout de suite. Passé les deux premières heures, les autres ne parleront qu'à l'usure. Au bout de l'espoir, quand après des jours et des jours et des jours, qu'il n'y a plus d'issue, et que ça peut durer encore des jours et des jours. Des jours? Oui. Votre siamètre, lui, il a une issue. Demain, le début des manifestations. Très mauvais pour nous, ça. Si seulement il était lâche. Lâche? Si ceux qui parlent sont des lâches, ceux qui se taisent sont des braves. Je vous jure, colonel, sous la torture, il n'y a pas de place pour les braves. C'est ça l'avantage, d'ailleurs. Alors, pratiquement? Pratiquement. Si au bout de deux heures, il n'a pas parlé, il faudra que nous trouvions une autre idée. Sur les manifestations de demain. Les lieux, les heures, le nom des organisateurs. Il me les faut et je les aurai. Quel qu'en soit le prix. Ma parole d'officier que tu sauves ta peau. Je suis d'une famille où l'on apprend dès l'enfance à respecter la personne humaine. J'aborde la torture. Mais je dois te faire parler, alors je te ferai parler. Tu comprends? Oui. Je comprends. Il y a quelque chose de sacré dans cette guerre. C'est la dette envers ceux qui ne sont plus. Je leur dois fidélité. Ta volonté contre la mienne, si c'est la torture, ce sera la torture. C'est votre père? Oui, c'est mon père. Vous devriez le retourner. Vous serez plus à l'aise. Je te dis... Vous m'annoncez que vous allez me faire torturer. Qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde? Bourreau, fais ton devoir. Eh, allez donc. Le devoir. Mon devoir. Ton devoir. Vous me cassez les oreilles avec votre devoir. Je peux vous le dire, honorable. Ça vous écorchera moins. Bien sûr, vous me préférez lâche que tout à l'heure, vous aurez raison de tuer. C'est votre justice. La guerre, c'est la pacification. La torture, c'est le salut. L'Algérie, c'est la France. Cramponnez-vous au basque du passé, colonel. Profitez de votre reste. Regarde cette ville. Nous en avons fait une des plus belles du monde. Voilà un peuple qui n'aspire qu'à être heureux. Et tu voudrais qu'on vous laisse foutre tout ça en l'air? Vous n'y pouvez déjà plus rien. Vous êtes des fous dangereux. L'ordre régnera. Quel ordre? L'ordre. Nous. La civilisation, la culture. Cet ordre qui régnait sur le cimetière, ce n'est même plus vrai. Aujourd'hui, ce sont des charniers clandestins. Votre culture ne trompe plus personne. Il vous restera le champagne et les parfums. Un jour, vous m'en direz notre silence sur ce que vous avez fait ici, dans ce pays, pour sauver votre patrimoine moral. Madame la colonelle. Jean.
Qu'est-ce qu'il a, ce fauteuil? Le cuir est tout humide. Ce n'est pas du cuir, cher ami, c'est du Sky. S'il y a quoi que ce soit de nouveau, je déjeune à la Letty. Merci. Pourquoi est-il mouillé? Un homme que j'ai fait asseoir là tout à l'heure. Il a trouvé moyen de transpirer. Plein mois de décembre. Vous savez, je ne tiens pas tellement à être tenu au courant de vos histoires de service. Ce n'est pas toujours très plaisant. Votre mère a écrit. Elle est ravie d'avoir les enfants pour les vacances. Je vous lis sa lettre. Non, merci, Béatrice. Répondez-lui ce que vous voudrez. D'ailleurs, je m'en fous. Charles, vous voulez vraiment que j'écrive ça? Vous êtes nerveux. Vous ne comprenez pas. Si. Je comprends, vous êtes une fois de plus dans les tourments d'un cas de conscience. C'est un enjeu terrible, Béatrice. Le plus gros enjeu depuis le début de la rébellion. Alors, il faudrait bien qu'il parle. La torture. C'est une question tranchée. Tranchée par vous, Charles. Vous l'avez envoyé à la torture, la chose est faite. Vous ne pensez plus? La torture. Sur mes ordres. Enfin, Charles, vous êtes un soldat. Je suis fille de soldat. La guerre, c'est la violence. Le sommet de la violence. C'est la violence, c'est le tuer. C'est net, propre. La torture, c'est dégradant. Ce qu'il peut y avoir de plus dégradant au monde, c'est de faire les choses en rechignant. Les faire, se reprocher ensuite de les faire. Je souhaite qu'il parle. Votre arabe. Je ne pourrais rien obtenir de plus, Béatrice. Vous ne m'accorderez rien. Mes hommages, madame. Ça va l'appétit, colonel? Alors, curé, pour un café? Cet homme a une conscience, il l'a prouvé. Envoyez-moi le sergent de semaine. Il faut créer une situation telle que parler devienne pour lui un devoir de conscience. C'est envers les siens qu'il se sent responsable. Son peuple, sa race, peu importe le mot. Je vous suis mal, mon colonel. À vos ordres, mon colonel. Les 15 suspects ramassés pour vérification. Oui, mon colonel. Amenez-les-moi. Je vais interroger le prisonnier. À chaque refus de répondre, je donnerai l'ordre de fusiller un des suspects. Vous le redescendrez dans sa cellule. Et le peloton tirera une salve à blanc dans la cour. Pour montrer, et on recommencera avec le suivant. Vous avez compris? Oui, mon colonel. Reconduire le suspect dans sa cellule et une salve à blanc dans la cour. Vous ne parlez pas sérieusement, mon colonel. Vous venez de parler d'exécution bidon. Et alors? Vous n'y pensez pas, mon colonel. Ça n'est pas possible. Comment cela? Mais nous n'avons pas de cadeau à faire à ces gens-là.
Des cadeaux? À la guerre, on ne fait pas semblant. Quand ils jouent, les gosses crient « Poum, t'es mort !» Nous, on ne joue pas, on tue. Je ne suis pas un assassin, Letaille. Je crois même pas que vous en soyez. Pas qu'il est bien possible que ce soit le commandant qui ait raison. Votre avis, la prévôtrée, vous qui êtes né ici, et qui de nous quatre, êtes sans doute celui qui connaît le mieux les Arabes. Chaque fois que la dépêche d'Algérie dans mes éditoriaux, je me suis élevé contre cette sensiblerie, cette économie de la guillotine professée en métropole. Les échos rencontrés chez mes malheureux compatriotes pieds noirs ont été bouleversants. Les choses en sont venues à ce point à Alger qu'un arabe que nous n'exécutons pas, je veux dire n'importe lequel, pris au hasard au coin des rues, c'est un assassin de Français que nous laissons en sursis. Vous voyez, il est bien évident que vous n'attendez pas de moi l'ordre de fusiller les gens pour raison de commodité. Sergent. Mon commandant. Vous ferez tirer à balles réelles. Mais mon commandant, il y a les ordres du colonel. Ceux d'un chef de bataillon vous suffiront. عجب يعني عندي اربع اولاد فلاح كاتر انفون فلاح بوشار بامار مغيب ان انفون بروفيسيون ماسون تريا قيل سعيد جو سوي غارديان دي نوي جي ويت انفون اي ماي لا فام حسين طيب جي ترواس انفون اي ماسون شيفو بوكو فاليد جي سوي سيليباتير جي ترافاي دو كار جاب الله صلاح ماري ترواس انفون في رايور بن علان عايشه خديمه بزوج ولاد Femme de ménage, deux enfants. Le père m'a tué une rafle. Le père a été tué dans une rafle. C'est bête une femme, Ahmed. Regarde celle-là. Les grands mots, elle s'en fout, elle ne sait même pas que ça existe. Ces gosses, pour elle, il n'y a rien d'autre. Sous Ramadan, mon effet spécialisé, un gosse. Le père m'a dit que c'est le jour où il y a un enfant. Raouf Fatia, étudiante. Ahmed, je te comprends. Tu refuses de parler parce que tu es un patriote. Tu es un homme de cœur. Eh bien, c'est parce que tu es un patriote et un homme de cœur que maintenant tu vas parler. Prenez les questions, toujours les mêmes. Je vais recommencer à te les poser, en les répétant autant de fois qu'il le faudra. Chaque fois que tu refuseras d'y répondre, j'en fusillerai un. Traduis-leur. Raoul, c'est le colonel, il s'est le fils de l'mahbous.
على المظاهرات اللي رايحه توقع هنا، وكل ما يسالوه ما يردش عليه يطرق واحد منكم حتى يقضي عليكم كلكم. Regarde-les. Ils sont entre tes mains, innocents ou coupables. C'est la vie ou la mort qu'ils attendent de toi. Les Arabes à Poitiers. Silence. Continue. Les Arabes qu'on appelait les Sarrasins montaient des petits chevaux. Ils venaient des collines avoisinantes. Qui a fait ça? Je répète, qui a fait ça? Si je ne sais pas quel est le coupable, je punirai toute la classe. Green, Edouard, non, Smaïl, j'ai dit tes doigts, nom de Dieu. La compagnie foncière crée une aire d'irrigation. La terre ne t'appartient plus jusqu'à échéance de ta dette. Tu as 4 ans pour payer. Je vais vous dire, Seyyid Lucy, aujourd'hui, l'arde est à la terre.
راهي هدتها الحكومة للكمبانية باش تبني بها سد هنا، راهي تستناك 4 سنين باش تخلص ترجعك لأرضك. والنوبة نتاعي تعلمت. Quand tu auras payé. كي تخلص. Et en plus, ta laine pour le maréchal. الصب نتاعك للماريشال بيتان. Et ta récolte pour le maréchal. العولة نتاعك للماريشال بيتان. Tous les indigènes doivent participer au renouveau de l'État français. والفاميليا نتاعي شكون اللي عايشها؟ كربي كبير. اسماعيل. شنو هي لا كومباني فونسيير؟ تكبر وتفهم. ماضي 100 مرة وانت كنت تسجل مسمي الجارسة. وش دخلك في اختي؟ بنت عمي وكأن بنت عمك. أنا أخوش كسو زين أنا عبيد أمس منك من هذا؟ ما كاش شعب؟ لا لا حرام عندنا إحنا حرام مليح قلت نتاعك مليح مليح لكدار بور ليشيانس دين نتاعك نو زالون فوار كيفاش نعاونوك ارواح لي لا كومبانيا لا كومباني فونسيير مي توا اوسي احنا نعملو مجهود انت ثاني اعمل مجهود الاخضر لازم تخلص Tu n'aurais pas dû, voyons. Fatima, viens prendre ça. Je ne sais si je dois accepter, Lactar, c'est trop. Non. Qui voulait louer la série, bon, écoute, pour ton échéance, tu viendras me voir au bureau tout à l'heure, on essaiera d'arranger ça. Hein? Mais quand vraiment, tu n'aurais pas dû aller, Fatima. Écoute, Lactar, tu viendras avec les garçons manger à midi. Hein? Ça va, très bien. Allez, au revoir. Merci, merci. Merci encore, mais tu n'aurais pas dû. Ah, Lactar, ce cher ami, je t'attendais justement. Tu vas aller manger à la cuisine. Hein? C'est pas bien ici. On mange du cochon. Vous serez bien mieux à la cuisine. Tu vas t'occuper de notre invité. Je vais m'occuper de monsieur d'abord. Bien. Et passons à table. Hein? Voilà. Bon appétit. À tout à l'heure. Hein? جيت من بعيد عوضة مرة مالو كبير هذا شحال ما درع فيه يا راجل شوف اللي هما العلمين يعلوه تكبر وتفهم
السدة الماء وقيل أروانا ربي يا الأولاد يلا J'ai envoyé 14 devant le peloton. 14 ou 15, tu n'es plus à ça près. Je vais faire fusiller celui-là pour te prouver que je peux être aussi têtu que toi. Emmenez-le. Thank you.
Vous attendez plus. Asseyez-vous, cher. Vous avez 15 morts sur la conscience. Je les ai vus. Je crois que vous avez vraiment trop de travail pour dîner maintenant, colonel. Vous pouvez... Commandant Leteuil. Je vous ferai passer en cour martiale pour désobéissance et crimes de guerre. Ça vous fait rire? C'est ce qu'on appelle le rire hiérarchique, mon colonel. Quand un supérieur plaisante, le subordonné rit. Maintenant, si vous parlez sérieusement. Asseyez-vous, commandant. 13 hommes et 2 femmes, mon général. Des morts inutiles. Des morts inutiles? L'histoire militaire n'en connaît pas d'exemple. Par contre, quand j'entends un officier de l'armée d'Algérie accuser un camarade de crime de guerre, je ne peux penser qu'une chose, c'est qu'il a perdu l'esprit. Ce que font nos hommes dans les Djebel. Ces cadavres qu'on est en train de charger dans la cour. C'est une guerre, ça, mon général? Quoi que l'armée soit conduite à faire, elle ne commet pas de crimes. C'est une règle sacrée. Elle s'impose à tous. En tout cas, le commandant Leteuil a contrevenu à mes ordres. Il a obéi aux miens. La guerre n'est pas une kermesse de Boy Scout. Ressaisissez-vous, monsieur. Plus tard, vous aurez le loisir de faire pénitence. Rappelez-moi de vous faire prendre les arrêts dès que tout sera fini, commandant. Bonsoir, mon colonel. Bonsoir, Baral. Tout le monde est là? Oui, mon colonel, madame a fait servir. Bonsoir, mon petit chéri. Il est bien fatigué, mon papa. Oui, Adèle, bien fatigué. Et maman, elle veut pas que j'aille dîner avec eux. Mais pourquoi? Parce qu'elle dit qu'ils sont trop mal élevés. Oh. Elle dit ça, maman? Oui. Bonsoir, papa. Bonsoir, Thomas. Ça va? Ça va. T'as bien travaillé à l'école? Oui. Et ce soir, t'as fait tes devoirs? Oui. Bon, tu peux aller te coucher maintenant, alors. D'accord, papa. Bonsoir, mon chéri. Bonsoir. Allez. Ah, je viens de t'en faire. L'entêtement de cette brute? Il a parlé? Le colonel a une idée extraordinaire. Chaque fois que tu refuseras de parler, je ferai fusiller un de tes frères Felaga. Comment, il n'a pas parlé? 15 fois de suite. Ils étaient 15. Les Arabes sont des brutes. Sont des Arabes. Ah, j'ai vu de ces choses. Ils sont inhumains. L'inhumanité absolue.
Chez nous, c'est le contraire. On manque tout à fait d'inhumanité. Prenez le cas du commandant Georges. Voilà un officier au service depuis 20 ans. 5 ans d'Algérie. Et but en blanc sur un vague à l'âme, il remet tout en question. Qu'est-ce qu'il veut, au juste? Humaniser la guerre. Humaniser la guerre, on ne peut pas. On ne doit pas. Et vous, qu'en pensez-vous, mon père? Moi, la vérité. L'ordre catholique, j'y crois. L'ordre français, l'ordre européen, j'y crois. La victoire du vrai Dieu sur les faux dieux, j'y crois. La vérité des croisades reste notre vérité. Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens et d'une parole éternelle. Moi, j'ai été commis d'office au procès d'une porteuse de bombes. Elle voulait m'empêcher de plaider. Je ne me suis pas laissé faire. Elle a été condamnée à mort, naturellement. Vous savez ce qu'elle a fait à la lecture du verdict? Elle a éclaté de rire. Ces filles-là, je serai volontaire pour presser le bouton de la guillotine. Envoyez-moi le prisonnier. Oui, le prisonnier. Bon, c'est inutile. Sur une poudrière. La mèche est allumée. Nous avons tenu la population avec des tâtonnements, mais nous l'avons tenue. Nous avons ordre de continuer à la tenir. Mais dorénavant, s'en tirer un coup de fusil. Et cela au moment précis où ce n'est plus une poignée de rebelles, mais tout un peuple qui se dresse en face de nous. Messieurs, j'ai voulu recueillir vos avis. Depuis 6 ans, nous les tenons par la peur, le pied sur la nuque. Aujourd'hui, on nous demande d'ôter le pied. Eh bien, je dis que nous y laissons la jambe. Ça me paraît évident. Ils auront vaincu leur peur et la peur changera de camp. La réaction des Français d'Algérie est à prévoir, mon général. Je connais mes compatriotes, émotifs et résolus. Ce qu'ils défendent ici, c'est leur droit de vivre dans un pays qu'ils ont sorti du marais. Qu'en 130 ans, de père en fils, ils ont construit de leurs mains. Ils ont replacé leur confiance dans notre admirable armée. Si par malheur on les abandonnait, ils ne reculeraient devant rien. En mai 45, nous en avons tué 42 000 et nous ont foutu la paix pendant 10 ans. Ça c'est vrai, j'y étais. Faites tirer, mon général. Les ordres de Paris, commandant. À Paris, ils tiennent compte d'une foule de facteurs. Dieu sait lesquels. Ici, nous voyons la boule de neige nous arriver dessus, nous l'arrêtons. Paris réitérera ses ordres. Oui, mais quoi qu'on dise, la politique se fait sur le terrain. En plus, il est difficile de maintenir une liaison avec des troupes en opération. Fatalité, c'est pas pour les chiens. Ça. Nous avons distribué les vivres, bâti les écoles. Nous avons fait l'épître dans les représentations culturelles. Ce qu'ils recevaient d'une main, de l'autre, ils leur passaient aux rebelles. Sauf la culture. Alors ça, personne n'a jamais su quoi en foutre. La pacification a réussi là où nous n'avons pas laissé d'Arabes. Vous perdez de vue que la seule richesse de ce pays, c'est précisément les Arabes. Le général fait allusion au prix de la main-d'œuvre. Il fallait mettre le paquet dès le début. Nous l'avons fait, mais trop tard. Alors aujourd'hui, la solution élégante serait de tirer dans le tas. Qu'on me donne l'ordre, et je tire. Faites tirer, mon général. Mais qu'est-ce que vous croyez, Le Teuil? Que ça me gênerait de faire hacher cette bande de pouilleux? Faites-moi crédit. Votre position, à la plupart, c'est la désobéissance. L'entrée en dissidence. Je sais qu'il y a d'illustres précédents. Mais dans le contexte actuel, toute tentative serait criminelle. Non pas en soi, mais parce qu'elle ne saurait aboutir qu'à un échec. Et l'échec casserait l'armée. Et c'est à l'armée que doit aller notre fidélité. Rien n'est possible sans certains préalables. Aucun pouvoir n'est éternel. Celui d'aujourd'hui, c'est moi qui l'ai mis en place. Quand vous voudrez, où vous voudrez, comme vous voudrez, mon général. 2 semaines plus tard, le général de Gaulle prenait les rênes. Ce qu'un éditorial a fait, un éditorial peut le défaire. Il n'y a que les communistes qui soient conséquents avec eux-mêmes. Chez eux, ça marche ou ça crève. Nous, on ne décide pas. On voudrait bien. Mais la démocratie, les droits de l'homme,
Le blâme au Conseil Général de Corrèze, la grève des douaniers, l'émotion au Capet de Flore. Ha, nous sommes vraiment trop cons, mon général. Vous parliez de boule de neige, Letoy. Thank you.